Príncipe, film sobre el príncipe, toma primera. Monsieur le Prince, s'il vous plaît. Aquí está el príncipe Philippe Antoine de Boiry, heredero del trono de la Araucanía y de la Patagonia. Le roi Orléans Antoine a été élu par les indigènes, je crois, par les Kazis. En 1861, il a parcouru l'ensemble des territoires de l'Araucanie et une partie de la Patagonie, dont je ne vous rappelle pas l'étendue, et au cours d'assemblées populaires, il a été désigné comme souverain. Et je crois que c'est une chose importante de préciser qu'il ne s'est pas lui-même, motu proprio, désigné, mais que ce sont des assemblées populaires qui l'ont désigné. Vox populi, vox dei. Nous faisons un film. Vous pensez que l'histoire du roi Orléans Antoine et votre histoire, c'est le sujet d'un film, c'est un bon sujet? Vous savez, il y a de tellement mauvais sujets de film que c'est certainement un très bon sujet de film, et pour une raison simple. C'est un biographe du roi qui, dans sa préface, disait « Nous sommes tellement lassés par les exploits pipés, de Jim du Far West ou des héros de bande dessinée, que le personnage de Monsieur de Tounins, roi d'Araucanie, est tellement plus passionnant parce qu'il est authentique que ça fait certainement un excellent sujet de film. Que la acción es motivo de verdad. La realidad ficción es ficción. La realidad.